معروف بتضامن مع الشعب الفلسطيني صديق صديق محمود درويش. السنة الماضية أخذ الجنسية الفقيرة الفلسطينية صديق الشعب السوري من أول يوم طلقت فيه الثورة، موقع على عدة بيانات إدانة النظام بمهرجان أفنيون. هو كان رئيس بلدية أوفيرفيليه لعشرين سنة تقريبا أو أكثر، وزير الحكومة الفرنسية بعهد ميتران أكثر من مرة. بعتقد شخصية مهمة كثير بالنسبة للمثقفين للوسط الثقافي والفني بفرنسا، غني على التعريف. بكفي ان الواحد يكتب اسمه بجوجل ليعرف مين جاك راليف اللي هو سيناتور وصديق الشعب السوري. On entend bien? Chacune et chacun d'entre vous, et surtout amis syriens, partis il y a longtemps pour certains de Syrie, ou venus pour les raisons que l'on sait, tout récemment. Depuis 2 ans, chaque samedi au Châtelet, en général, mais alentour aussi, en tout cas aujourd'hui, c'est à la Fontaine des Innocents, les Syriens, étant en France, notamment dans la région parisienne, se retrouvent pour témoigner de la terrible situation que connaît leur pays. Chacune et chacun d'entre vous avait décidé de se compromettre avec la personne humaine, car malgré le mouvement d'opposition à l'origine exclusivement pacifiste, le peuple syrien connaît aujourd'hui la pire situation de son histoire. L'indigne président de la Syrie, Bachar al-Assad, a décidé directement ou indirectement de tenter de noyer dans le sang l'appétit de liberté qui s'est emparé du peuple à l'histoire si précieuse pour l'humanité, puisque là a été bâtie la première maison du monde. C'est un magnifique symbole. Est apparu le premier alphabet du monde, c'est aussi un magnifique symbole. Ont été construits tant d'édifices classés par l'UNESCO, trésor de l'humanité. Vous connaissez les résultats de cette guerre atroce d'un chef d'État qui veut assassiner son opposition. Elle tient en quelques chiffres. En 2 ans, 100 000 morts, 1 500 000 départs à l'étranger et 4 500 000 en transhumance dans la Syrie qui n'a que 21 millions d'habitants. C'est une saignée terrible et horrible que connaît le peuple syrien, et malgré cela, il tient encore, il n'a pas renoncé, il refuse de se mettre à genoux, il refuse d'être bafoué en recherchant sa liberté. En vérité, Bachar al-Assad a pris dans ses actes la figure d'un tyran soutenu par l'Iran, la Russie et depuis quelque temps le Hezbollah libanais, a entré en Syrie avec des milliers de membres de sa milice, véritable horde qui a permis à Bachar al-Assad de venir à bout de la ville de Qusayr, ville stratégique dont la possession n'infirme pas que plus des 2/3 de votre pays a été libéré du dictateur de Damas. Énumérer les pays et mouvements, c'est déjà dire le déséquilibre des forces. Mais énumérer les outils de mort dont dispose ainsi Bachar al-Assad, c'est dire le déséquilibre des armes. La Russie livre sans arrêt des armes lourdes, des avions, des chars, des scuds. L'Iran procure aussi des armes et envoie des djihadistes. La horde du Hezbollah a plusieurs milliers de membres. Qui plus est, même si ça n'a été constaté que dans de rares endroits, Bachar al-Assad a utilisé du gaz sarine qui donne la mort sans être vu. Le président Obama en avait fait une ligne rouge à ne pas franchir. Elle est franchie, mais le président Obama
demande toujours plus de preuves, la preuve de la preuve de la preuve, autrement dit revient sur son engagement. La Syrie devient une soufrière, abandonnée, oubliée comme la Palestine. Je dis abandonnée et oubliée, car ceux qui font ou laissent faire cette guerre contre les civils, voulant seulement, mais c'est énorme, leur liberté, ont accumulé et accumulent toutes les lâchetés, toutes les reculades, toutes les abdications, tous les faux-semblants que l'on puisse imaginer. Souvenons-vous, souvenons-nous de la non-intervention en faveur des républicains espagnols avant la Grande Guerre antifasciste. Souvenons-nous aussi tout récemment de l'épouvantail djihadiste en quoi étaient habillés par certains les rebelles syriens pour ne pas les aider. L'aide ne venant pas et la nature ayant horreur du vivre, des djihadistes sont venus. Pour ma part, je suis de ceux qui ne veulent ni de près ni de loin laisser détruire et tuer pour avoir à venir ensuite aider les mourants et les affamés. Je ne veux pas être un passant dans ces moments les plus déshonorés. J'entends dire que c'est difficile, mais si tu n'espères pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. Le désespoir n'est pas un mot politique. La France, en d'autres temps, qui ont fait sa gloire, n'a attendu personne pour inventer et proclamer les droits de l'homme. Il faut s'inspirer de cet exemple, car nous sommes tous concernés. Là-bas, c'est ici, d'une certaine manière. Là-bas, c'est un morceau d'avenir du Proche-Orient. Nous exigeons de nos gouvernements, de l'Europe et de l'ONU, des actes, alors qu'ils en restent à jurer fidélité. Je n'oublierai jamais Srebrenica en Bosnie. Là aussi, l'Occident était attentiste et le massacre a eu lieu. La communauté européenne le sait bien. Pourquoi s'évertue-t-elle à respecter son inaction d'alors? Elle sait où cela a conduit. Aujourd'hui, les Américains hésitent et les Russes n'hésitent pas. Ont décidé de convoquer une conférence internationale dont on voit bien que la préparation est d'une extraordinaire difficulté. La conférence, qui pour le moment n'aboutit pas, sert de prétexte à ne pas être solidaire sur le plan des armes. Comme si 100 000 morts ne suffisaient pas, qu'attendrons-nous aussi pour nous occuper de l'humanitaire? Il y a de grandes parties de la Syrie où rien ne se passe, sauf d'avoir faim et pas d'abri. Que faisons-nous? Presque rien. Il est vrai que l'opposition à Bachar al-Assad a du mal à s'entendre et ne facilite pas sa représentation à une conférence pour la paix. Mais la durée de la situation actuelle accentue ces difficultés. L'opposition doit se ressaisir. De toute façon, pour ce qui concerne un pays comme la France, elle doit... Elle doit accroître sa solidarité humanitaire, comme elle doit chercher comment aider, et le plus vite sera le mieux, les opposants au plan des armes. Si rien ne bouge, on va vers un conflit confessionnel inextricable, avec ses possibles conséquences sur l'ensemble du Proche-Orient. Le trou noir actuel est une catastrophe, et s'il n'y est pas porté remède rapidement, les défaillants, pour s'inspirer du lieu où nous sommes, ne seront pas, qu'ils le sachent bien, des innocents. Aujourd'hui, il y a un mot qui résume tout. La nécessité pour chacun et chacune d'utiliser son pouvoir d'agir. Chacun a un pouvoir d'agir pour assurer une solidarité concrète avec le peuple syrien. Et cela est aussi un devoir impérieux des gouvernements occidentaux et de l'ONU qui a été précisément créé notamment pour cela. Courage, chers amis, nous sommes avec vous. Luttons, continuons de lutter. Et les rendez-vous hebdomadaires sont des nécessités absolues. Merci.
ما بعتقد انه في خطاب بهذا الموضوع